Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves. Mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain. La petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Ben voilà, c'est chez moi. Allez-y. Penses-tu à moi comme je pense à toi? Penses-tu à ça aussi souvent que moi? Penses-tu que c'est la bonne cette fois? Penses-tu pouvoir me faire oublier la conne d'avant toi? Suis-je bien fait pour toi? Dans 2000 matins, est-ce que ma tête te reviendra à 17 ans? Mon premier groupe, j'avais 17 ans. C'était un groupe punk. Puis après, en poursuivant, j'ai été pris dans un orchestre de bal qui s'appelait Indigo. Là, j'ai fait la rencontre du guitariste qui joue avec moi aujourd'hui, Hugo Barrech. On faisait des reprises de groupes. On faisait ce qui nous plaisait en fait. Donc on a repris beaucoup de Simple Minds, assez rare, des faces B de Simple Minds, des faces B de U2. Après ça, Tom Scarlett. Groupe de pop, rock pop. Voilà. Un petit peu chanson, mais rock pop surtout. Avec Hugo, retrouvaille d'Hugo Barrech à la guitare. Et puis après Tom Scarlett, l'aventure Cali Churri et Cali quoi. Ouais. Tu es mon seul ami. Tes scorpions supportent-ils bien leur captivité? Et je suis fier de toutes les ignominies que ta bouche à elle seule peut déverser. Où as-tu cherché tout ça? On s'est mis d'accord sur une chose, c'est qu'il faudrait beaucoup de temps pour développer ce projet. Et ce qui nous intéressait, c'est une maison qui puisse nous donner ce temps-là, nous donner les moyens de prendre notre temps. Fin 2002, signature du contrat avec la Vels, 16 décembre. Et en suivant, rentrer en studio à Parkgate, en Angleterre, sud de Londres. Énorme rencontre avec Daniel Presley, notre producteur artistique. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles de te voir déguerpir ma vieille. Alors ça y est, c'est le grand jour, tu t'en vas. Alors ça y est, c'est la bonne cette fois. Je regarde tes fesses qui m'échappent et elles sont pas mal ma foi. Je te raccompagne jusqu'à la porte. Je voudrais hurler ma joie, je voudrais pleurer de bonheur, faire des claquettes sur tes talons. Tu ne me brises pas le corps, non non non. One thing that I think is really important to say about Cali is that, and one reason why I really wanted to do the project was that he's a real singer. He's a true singer. In French music, especially in chanson, you have the tendency for people to speak more than sing. And with Cali, he has great text, but he is really singing. He's just beginning now, and when you listen to the album, you'll hear a very unified sound and voice from him. In the studio, his vocal delivery is a bit more reserved. But when you see him live, he really brings the songs to a completely different level because you do see the theatrical element that makes the live show so special. He comes from Perpignan, which I'd never seen before making the album, and it's a very interesting place. And all of the musicians that work there, they work like a family. And every time someone new came to work on the album, Cali was very good at making them feel a part of the family, just as he made me feel a part of the family.
Je l'ai rencontré en 91, car nous avions monté avec des potes un groupe de reprises. Et nous cherchions un chanteur, en fait. Et je suis tombé sur ce mec-là. Ben moi, c'était beaucoup plus tard que Hugo. Je savais qu'il avait démarré donc le projet Kali avec des chansons très personnelles. Et c'est lui qui faisait le piano au départ, mais il trouvait qu'il n'arrivait pas à faire du piano et à chanter en même temps. J'aime beaucoup la chanson. C'est vraiment la première chose qui m'a accroché chez Kali. Ça m'a obligé à appréhender le piano de manière un peu plus naïve, plus simple, peut-être plus efficace. Tous à faire beaucoup de recherches qui étaient intéressantes pour moi, qui sortaient d'un milieu classique. Et Bruno donne beaucoup de confiance aux gens et permet de faire sortir des choses peut-être que j'aurais pas pu faire dans le classique. On démarre aujourd'hui, première partie de San Severino. Il est 6h, 7h du matin. Nous démarrons de Perpignan. Les balances sont à 18h15. Son cœur, mais c'est louche. Car qui n'a que ses vieux amants, c'est qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours, c'est quand le bonheur.